présentateurs, c'est Nancy Kawaya et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre émission Entretemps. Aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale. Elle s'appelle Madame Isabelle Kibasa Maliba. Madame la députée, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée provinciale au Brabant Wallon et bien plus encore. Kibasa Maliba n'est plus un nom inconnu du public. Vous avez un beau parcours. Est-ce que vous pouvez le synthétiser en quelques lignes ? En quelques lignes, sans passion. Kibasa Maliba, oui, c'est un nom connu au Congo, évidemment. Donc, de par le tout premier président de l'UDPS, qui était Feu Frédéric, mon père, Frédéric Kibasa Maliba. Donc, il faut savoir que la politique, moi, je suis tombée dedans dès la naissance. Quand je suis née, papa était... Donc, vraiment, tout ce qui est populaire, j'étais vraiment dedans. Papa était syndicaliste. Il était syndicaliste, c'était aussi un des meilleurs des footballeurs de Mazembe. Et puis voilà, et puis quelques temps après, il est devenu ministre. Et puis on connaît son parcours où il s'est vraiment battu pour les droits de l'homme et le progrès social au Congo qui faisait défaut. Et donc avec l'UDPS, il a commencé avec les 13 parlementaires. Mais lui, il était au Sénat et les autres étaient... Au Parlement, donc ils ont coalisé et donc leur lutte a commencé à ce moment-là. Vous êtes venue, vous êtes arrivée en Belgique adolescente, je me sens. À quel âge D'abord, j'ai eu la chance de venir en Belgique à 16 ans, j'avais 16 ans et là j'étais la fille de ministre hein, parce que Mobutu avait d'abord lâché un peu du lest et donc j'étais en tant que fille de ministre revenue ici, puis je suis retournée au Congo et là on a dû nous évacuer bien évidemment donc, parce que ça allait très très mal et je suis revenue ici en tant que réfugiée politique et donc le parcours, petit château, tout ça je connais aussi et puis bon, je restais quand même très très politisée hein, donc je suivais ce qui se passait là-bas et j'essayais d'interpeller les gens ici, les ministres, tous les bien-pensants, toutes les huiles d'ici, j'essayais vraiment d'interpeller tout le monde et puis finalement, bon allez, de fil en aiguille, il y en a un qui m'a dit un jour, il dit écoutez madame, au lieu de revendiquer de l'extérieur, rentrez à l'intérieur et c'était à la bonne heure parce que moi j'aime bien justement, c'est que j'ai constaté, j'aime bien, je suis une sorte de carte SIM, j'aime bien rentrer dans les systèmes. Alors je suis rentrée dans le système et voilà. Ah donc vous êtes grandir en politique et puis pousser vers la politique un peu malgré vous. Pas malgré moi, non, je sais que j'ai découvert, j'avais écrit, j'avais 10 ans, donc, je ne sais pas si vous avez eu à faire ça, les journal intime oui, de petite fille, j'avais déjà écrit que je ferais de la politique à 10 ans. Donc ici, et puis bon, l'UDPS étant dans faisant partie de l'internationale socialiste, donc... c'est vraiment tout à fait naturellement que je suis rentrée au Parti Socialiste. Tout à fait naturellement. Et puis, en tant que femme, et puis issue de la minorité, quels sont vos défis, j'ai envie de dire, en politique ici en Belgique et puis en politique de manière générale? Ben, j'avais très très vite compris qu'il ne fallait pas rester en marge et revendiquer en marge, parce que sinon on sera vraiment marginalisé. Donc je suis rentrée dans le système, je vous parlais de moi en tant que carte SIM. Vous pouvez avoir le plus beau GSM du monde, s'il n'y a pas de carte SIM, il ne communique pas. Ou on ne le comprend pas, etc. Donc moi j'étais la carte SIM, je suis rentrée dans le système. Et c'est vrai qu'en tant que femme, ce n'est pas évident. Moi je voyais toujours les regards vers moi, chaque fois que je rentrais dans des meetings politiques ou des réunions politiques, on regardait toujours l'homme qui m'accompagnait. Quoi. Donc en se disant ben, sûrement qu'elle a une aventure ou un truc comme ça, parce que ce n'est pas normal qu'elle arrive à ce niveau-là. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de préjugés, beaucoup d'a priori, dès qu'on voit une femme noire, on se dit voilà, ça y est, où est-ce que, dans quel lit elle a dormi pour arriver là. Donc il a vraiment fallu se battre. Je me suis battue, je me rappelle encore, c'était en 2008, un jour, Elio Di Rupo m'appelle pour me demander, je crois que c'est 2008, c'est à vérifier, au 2007. Il m'appelle pour me demander si je voulais bien aller sur la liste du Sénat. Déjà, moi, simple conseillère communale à ce moment-là, et dans l'opposition que le grand Elio m'appelle, j'ai trouvé ça très, très... Allez, c'était d'abord, je pensais que c'était une blague. Ensuite, il m'a dit, ben, tu retéléphones et voici le numéro.
Et dans l'entretemps, j'appelle mon mari juste pour avoir un peu son conseil, etc. Et il y a quelqu'un qui me téléphone, qui me dit, Isabelle, écoute, accepte. Accepte parce que on voulait, c'est vrai, une blague sexy sur la liste. Et puis moi, je leur ai dit, non seulement elle est blague sexy, mais elle est intelligente aussi. Donc accepte le truc. J'ai râlé parce que bon, allez, vraiment me prendre juste pour mon plastique, ça n'allait pas non plus. Mon mari m'a dit, écoute, accepte. Parce que sinon, on prendra aussi une blague sexy. Il y en a beaucoup. Mais idiote, elle ne va pas plaider la cause. Donc, j'ai frondé pour ça. Donc, j'ai été. Elio m'a rassuré en me disant qu'on n'attendait pas beaucoup de voix hein, de ma part. 2005 voix ou 3000 voix, c'était bon. J'en ai fait 15 000. Parce que je voulais vraiment montrer que je voulais me battre. Et je me souviens encore pendant la campagne, chaque fois qu'Elio tombait sur moi, il dit, mais Isabelle, t'es ici? Je dis, oui. Ben, je fais campagne, il dit waouh! Il était chaque fois épaté, et voilà, donc j'ai multiplié par 5 voire 6 ce qu'ils m'ont demandé au départ. C'était vraiment pour montrer que j'avais cette volonté-là, c'est toujours cette volonté d'expliquer aux gens qu'en mettant un pied devant l'autre, en visant une cible, on peut arriver à beaucoup de choses. Et donc là, c'est en quelle année que vous êtes entrée? La première fois que je me suis présentée en politique, c'était en 2006. Oui, donc au conseil communal de Tubize, la ville où j'habite, et j'ai été élue la première fois déjà. Donc, et ce dont je vous parle, c'était en 2007 ou 2008, hein, les élections sénatoriales. Et là, voilà, j'ai sillonné toute la Belgique avec la rage au ventre pour dire, ben voilà, je vais quand même prouver qu'il n'y a pas que le plastique, il y a beaucoup de volonté derrière ça. Et puis bon, allez, s'il faut de toute façon parler, allez, parler pour des gens, amener des gens à changer leur façon de me voir, je dois les fréquenter, je dois. Bon, voilà quoi. Et pourquoi le Brabant wallon? Quel est, selon vous, l'atout majeur de cette région? Pourquoi le Brabant wallon? Justement, le Brabant wallon, c'est vraiment à une position géostratégique. Vous regardez le Brabant wallon sur une carte. On a l'impression que c'est un couloir, mais ce n'est pas un couloir. Nous avons vraiment travaillé sur des. C'est vraiment le mot qui ne me revient pas. Hein, sur des zonings. Sur des zonings. Et des zonings des affaires, hein, des zonings d'entreprises, etc. Pas que industriels, justement. Pour pouvoir fidéliser les entrepreneurs, par exemple. Ici, nous avons, je crois, 4 ou 5 zonings. Il faut savoir que le Brabant wallon aussi, par rapport au reste de la Wallonie, dans les startups, elle est vraiment, son profil est très innovant. Nous avons la moitié, pratiquement la moitié de tous les startups de la Wallonie se trouvent en Brabant wallon. Ce n'est que 400 000 habitants, hein, en Brabant wallon. C'est la plus petite province, c'est la plus jeune province. Mais nous avons réussi à fidéliser. Et à partir du moment où on fidélise ces gens, ils restent et on continue avec eux et on peut vraiment aller vers l'innovation et créer cet essor-là. Le Brabant wallon, ça ne apparaît pas non plus comme ça, mais il est à 57% rural. Donc on a une agriculture aussi qui porte. Donc allez, tout ça pour vous dire que moi je suis vraiment heureuse d'être ici. Surtout, je suis heureuse d'avoir aussi les compétences que j'ai, parce que je vous ai parlé d'économie. Dans mes compétences, j'ai l'économie, j'ai l'agriculture, j'ai le tourisme, j'ai le commerce, j'ai l'enseignement. Donc, comme gros portefeuille, j'ai ça. Et très sincèrement, je pense qu'on évolue mieux avec ça en Brabant wallon qu'ailleurs, parce que vraiment, on est vraiment à l'écoute du citoyen. Nous avons créé pas mal de choses, nous avons créé un espace, et pour le moment, nous sommes même en train de créer vraiment un espace citoyen où les citoyens peuvent venir poser des questions et que nous nous concerterons en fait dans cet espace-là pour pouvoir leur donner des réponses. Et puisqu'on y est et qu'on peut peut-être expliquer à nos téléspectateurs qui ne savent pas où on est, on change toujours de plateau pour aller à la rencontre des personnalités qu'on vous propose de découvrir. Ici, où est-ce qu'on est, Madame la députée? Ah, ici, on est à l'Agence wallonne de l'élevage, donc qui fait partie justement de mon portefeuille de l'agriculture. J'ai voulu vraiment vous inviter ici. Vous voyez ce tableau. En fait, c'est une bande dessinée qui a été créée. C'était vraiment pour pouvoir rapprocher les gens de ville. Vous avez vu, le Brabant wallon est riche. Vous avez des villas, vous avez tout ça, des gens de ville. Mais les accrocher et leur rappeler que sur chaque assiette qu'ils ont,
il y a au moins 3, 4, 5 personnes qui viennent de la ruralité. Il y a des agriculteurs, il y a des éleveurs, etc. Pour les approcher, pour qu'il y ait vraiment pour concilier ces deux mondes, il était vraiment, j'avais pensé d'abord qu'on commençait par travailler avec les plus jeunes, les élèves, les petits. Mais vraiment, on a créé ce centre ici. C'est pas l'agence wallonne de l'élevage comme telle, elle existe. Mais ce que vous voyez au mur, tout ceci a vraiment été créé pour rapprocher les gens, pour montrer aux gens que l'agriculteur, même quand il passe avec son tracteur, qu'il fait traîner les voitures sur la N25 par exemple. Et qu'on est super fâché. N'oubliez pas que ce que vous avez sur vos assiettes vient de là. Voilà. Donc ici, c'est une bande dessinée qui a été créée avec la région wallonne. Et aussi l'agence wallonne de l'élevage, mais conçue, pensée ici en Brabant wallon. Donc j'ai lié justement, c'est ce que j'ai toujours fait, le matching avec mes compétences. J'ai lié mes compétences comme dans l'agriculture, mais aussi j'ai l'enseignement. Oui. Donc voilà, ça a été facile pour moi. Et donc, vous arrivez justement à relier toutes les compétences et à les faire, à créer des synergies entre elles? Oui, absolument. Donc j'ai aussi par exemple ici l'économie. J'ai l'économie dans mes compétences et donc je croise beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de sociétés. Et il faut savoir que l'enseignement et l'entreprise, ce sont deux mondes qui sont complémentaires. Parce que les entrepreneurs que je croise, les patrons de sociétés que je croise me disent « mais on a besoin vraiment des jeunes qui viennent, qui en veulent, mais qui soient bien formés ». Alors ici par exemple, avec le collège de Brabant-Wallon, nous avons créé une sorte de plateforme comme ça qui s'appelle Go to Rêve. C'est une plateforme d'échange d'offres et de demandes de stages. Parce que bon, il faut savoir que le stage, c'est la première démarche professionnelle pour un jeune. C'est d'abord par les stages, etc. Donc nous avons créé cette plateforme enseignement entreprise où justement les entreprises rencontrent des élèves. Et ce qui est bien, de la part des entrepreneurs du Brabant wallon, ils ont pu quand même sacrifier sur leur temps de travail, parce qu'ils ont compris qu'ils ont besoin de connaître les jeunes pour pouvoir mieux travailler avec eux. Parce que les jeunes me disaient aussi, ils disent « Madame, si on va là-bas, c'est Star Trek ». Ou alors d'autres qui disent « Non, on n'a pas envie d'aller dans les entreprises pour servir du café, on veut vraiment apprendre ». Alors les chefs d'entreprise ont décidé aussi d'apprendre à parler avec les jeunes. Donc, ils se sont formés. Ici, je crois que j'ai beaucoup de chefs d'entreprise qui se sont formés pour pouvoir aller dans les écoles, aller vers les jeunes et leur donner vraiment ce goût d'entreprendre. Et ça se passe bien. C'est une bonne plateforme et le matching se passe bien. Donc, j'ai fait le matching, par exemple, avec l'agriculture, comme je vous ai dit, avec cette bande dessinée. J'ai fait le matching entre l'enseignement et l'entreprise. Donc, je vais un petit peu partout et je vais des fois en dehors de la province, par exemple pour la sauvegarde de la race du port de Piétrin, parce que pour pratiquement toute la Belgique, les véritables vraiment éleveurs de port de Piétrin, il n'y en a plus que 10 et ils sont pratiquement tous vieillissants. Je connais juste un couple de jeunes qui vient de commencer. Donc, et ça veut dire que c'est une race qui risque aussi de... La transmission ne se faisait pas correctement. La transmission ne se faisait pas correctement. Donc du coup, on a vu avec la province de Liège, avec mon homologue de Liège, nous nous sommes organisés justement pour faire le prélèvement des paillettes et la congélation. Comme ça, on sait que cette race sera pérennisée. C'est donc ce qui se fait ici? Ici, juste à côté, on a le centre, nous autres, c'est le centre de quarantaine. Parce que l'insémination se fait à Liège, mais avant d'être inséminé, on les met en quarantaine ici juste à côté, parce que on doit vraiment pouvoir, ils doivent être vraiment sains avant de partir de l'autre côté. On regarde les maladies, et je pense aussi que quand on les laisse sans pratiquer, sans toucher autrui et tout, ben voilà, on a un peu voilà. Donc ça, c'est la viande de qualité. Ah, le porc Piétrin, c'est la Rolls-Royce des viandes, donc de viande de porc. Donc en fait, c'est une Rolls-Royce, pourquoi? Parce qu'en fait, en elle-même, elle est juste Piétrin. Mais quand vous croisez la race Piétrin et avec une autre race de cochon, de porc, ça donne 150% de viande. Donc vous donnez plus de viande et moins de gras, mais il faut vraiment un croisement. Il faut un croisement. Et d'où vient, j'entends beaucoup de richesses, j'entends énormément de,
d'idées, d'initiatives. D'où vient l'idée reçue que cette région n'est finalement pas si riche ou par rapport moins riche que la Flandre, ou qu'est-ce que vous pensez qui s'est roulé? Est-ce qu'on communique pas assez sur les ressources de la région ou... Mais je pense qu'on communique, on est souvent le nez dans le guidon en train de travailler. On fait moins de mondanité. En tout cas, c'est rare que vous puissiez voir des mandataires du Brabant wallon en dehors d'ici, sauf ceux qui travaillent sur Bruxelles. Mais sinon, c'est vraiment rare. Bon, c'est vrai qu'on a un Premier ministre qui est issu de chez nous, de Wavre d'ailleurs. Mais sinon, c'est rare qu'on voit les mandataires. On est vraiment le nez dans le guidon en train de travailler. Et c'est vrai qu'on devait communiquer un peu mieux. Je pense, par exemple, aux dernières élections. Il y a eu beaucoup de revendications écologiques ici, hein, donc beaucoup écologistes, beaucoup ont revendiqué des choses, ont demandé, et même les écolos eux-mêmes ont demandé certaines choses. Et c'est ça qui a fait qu'ils ont eu cette montée, remontada, comme on dit, aux élections. Mais le plus frustrant, c'est que à toutes les questions qu'ils ont posées, à toutes, je dis bien, moi j'avais déjà engranger des réponses. Il y avait déjà des réponses qui étaient là dans le travail que j'ai fait, et malheureusement, je n'ai pas communiqué sur le travail que j'ai fait. Et chaque fois qu'ils disaient « Tiens, nous revendiquons ceci », je leur dis « Je fais ça. Nous revendiquons ça. » J'ai créé, par exemple, ici Made in Béoué, que maintenant le monde entier nous envie, du moins la Belgique, parce que maintenant je commence à recevoir des homologues, même de France, qui viennent, de Flandre, qui viennent voir comment ça se passe en Brabant wallon. Et c'est une plateforme aussi. Mais là, c'est vraiment qui réduit le delta entre, on va dire, la fourche et la fourchette. Ça veut dire que les producteurs, nous aidons les producteurs de tout ce qui est produit ici en Brabant wallon, nous les aidons à faire la promotion de leurs produits, à distribuer ça, donc tout ce qui est logistique, et nous les aidons donc dans les packaging, etc. Nous les aidons aussi sur le plan administratif. Parce que vous pensez bien, ils m'ont dit souvent, hein, les agriculteurs, tous les producteurs me disent « Madame, vous savez, nous on aime travailler la terre, on aime notre travail, mais on nous demande tellement de choses à faire qu'on a besoin d'aide. » Donc l'aide administrative est faite ici, donc nous avons des producteurs, je pense, heureux. Donc pour revenir un peu à vous, nous dans l'émission Entretemps, ce qu'on fait, c'est qu'on aime bien aller un peu gratter. Il faut que les gens découvrent de vous la part un peu encore plus humaine, j'ai envie de dire. C'est vrai que dans votre rôle de député, peut-être que ça crée un peu de distance. Donc on a envie de faire découvrir que vous êtes aussi une femme, une maman de 4 enfants. Vos enfants, ils ont quel âge? Ils sont des ados, des plus jeunes enfants Oui, non, mes enfants sont vraiment tout à fait âgés. Je me prépare même mentalement, c'est fait. Et en septembre, je serai grand-mère. Donc, alors mes enfants, j'ai 3 filles et un garçon, un dernier. Le dernier est un garçon, donc j'ai une fille de 30 ans, de 29 ans. Donc j'ai 29, 26, 23 et 20. Le petit jeune a 20 ans. Donc... je pense que c'est vraiment mon rôle de satisfaction, être maman. Et il faut savoir que, je vous ai dit, je suis tombée dans la politique très très jeune, mais j'ai commencé assez tard. Pourquoi? Parce que je m'étais entendue avec mon mari, je dis je serai d'abord maman. Je vais vraiment m'occuper de mes enfants, être sûre qu'on tient bien, on tient bien leur éducation pour que je fasse aussi moi ce que j'ai envie de faire. Donc, je n'appelle pas ça un sacrifice, mais je me suis sacrifiée à une vie de maman, vraiment de maman, mère au foyer. Et je me souviens encore, j'ai dit à mon mari un jour, j'ai dit, dès que le petit sait s'habiller tout seul. Et donc, un jour, on était avec mon mari, j'ai vu que le gamin, très fier de lui, s'est habillé tout seul, mais il n'avait pas compris qu'il venait de donner les clés de liberté à sa maman. Donc voilà, hein, c'était en 2000, début 2006. Et en octobre, je me présentais aux élections. Et d'ailleurs, ce qui me faisait rire, c'est que mon fils, quand ses amis passaient dans la rue, il dit bah, « Tiens, on a vu des affiches de ta maman !» Il dit « C'est pourquoi est-ce qu'on a mis des affiches ?» Et lui, il ne comprenait rien. Il dit « Bah, je crois que c'est Star Academy. » Donc voilà. Voilà. Donc moi, mon rôle, vraiment le rôle maîtresse, en tout, maître que j'ai, c'est que j'aime beaucoup, c'est le fait d'être maman. J'adore faire la cuisine.
J'adore faire la cuisine. J'ai beaucoup appris avec on avait une cuisinière qui faisait vraiment, qui préparait très bien à Kinshasa. Elle était de l'Équateur, donc j'ai vraiment voyagé. Elle m'a fait voyager dans la gastronomie vraiment congolaise et tout. J'aime faire vraiment. J'aime cuisiner, j'aime m'occuper des enfants. Bon, maintenant, ils sont tout grands. Je suis plutôt emmerdante qu'autre chose parce qu'ils ont maintenant tous leur jardin secret. Ils n'ont pas tous envie de parler à leur maman. Mais ça, c'est surtout ça. Le côté humain, je ne sais pas. Moi, je sais pas. Comment vous gérez... On va peut-être poser la question à d'autres personnes. Bah oui. Mais sinon, moi, sincèrement, comment est-ce que je gère ma vie de femme politique et de mère de famille, surtout de femme aussi, par rapport à mon mari. Ben, pour vivre heureux, vivons cachés. Il n'y a pas beaucoup de gens qui me voient et on ne me voit pas souvent dans les mondanités, justement. Oui. Hein. Donc, souvent, il y a des gens qui m'ont quelquefois reproché en me disant, ben tiens, on ne la voit pas dans les trucs qui concernent l'Afrique, par exemple. Pourtant, j'en fais pas mal. J'en fais pas mal, mais bon, souvent je cotise, etc. J'essaye d'être là aussi, mais sincèrement, j'ai préféré vivre un peu en reclus. De toute façon, quand on bosse vraiment comme je bosse, on n'a même pas le temps aux mondanités. Donc je fais vraiment très très attention. Je fais aussi attention à mon mari hein, qui me soutient et je dis toujours que s'il fallait recommencer, je prendrais toujours le même. Et je rigole toujours en disant, ben, il est du Kassai. Hein. J'ai dit, ben, Dieu t'a créé avant le diamant. Il t'a d'abord créé toi et avec les déchets de tes déchets, il a créé le diamant. Vraiment pour dire que vraiment, j'ai vraiment cette chance-là que cet homme accepte d'être, des fois, d'avoir sa femme mise en lumière. Il nous est déjà arrivé à des manifestations officielles que moi je sois assise devant et lui derrière avec les femmes de mes homologues. Et il accepte ça de bon cœur. Au début, ce n'était pas évident. Au début, ce n'était pas évident du tout pour lui. Il me disait, je n'ai pas envie d'être le prince consort. Et consort en trois mots, hein, pas en un seul mot. Donc, et chaque fois, j'ai dû supplier pour lui dire, écoute, accompagne-moi. J'ai aussi besoin de me sentir déjà accompagnée, soutenue, mais accompagnée aussi par mon mari. Je suis trop fière de toi et tout. Accompagne-moi. Et il a compris, on fait un sérieux binôme. Et je pense que c'est sa confiance à lui qui a fait la femme que je suis. Et donc, il n'est pas du tout passionné de politique comme vous ? Il est passionné de politique, je pense. Hein. Lui aussi, il est tombé dans la marmite politique depuis tout petit. Mais il n'a pas eu cette volonté. Sinon, ça allait être un télescopage. Il n'a pas eu vraiment cette volonté de vouloir aussi se lancer en politique. Heureusement, donc, j'ai envie de dire. Oui, comme heureusement. Ça, vous avez un espèce d'équilibre qui se crée. Oui, c'est vrai. Et surtout qu'on n'est même pas, on n'est même pas du même parti politique en fait. Hein. Lui, il a quelques, mais bon, il finit toujours par voter pour moi. Mais ses affinités sont plutôt ont une certaine couleur, elle est verte. Et pour revenir à votre passion pour l'Afrique, votre amour pour l'Afrique, comment est-ce qu'une politicienne belge arrive à conjuguer sa passion pour l'Afrique et son amour pour la Belgique finalement ? C'est vrai qu'il y a des moments où je me sens... Donc quand je suis à Kinshasa par exemple, ou en Afrique, quand je parle de chez nous, je parle de la Belgique. Quand je suis ici, je parle de chez nous, je parle de l'Afrique. Mais... je pense que ça s'est passé vraiment tout naturellement. Ça s'est fait vraiment naturellement. J'ai étudié ici, mais dans mes veines, il y a quand même le sang africain qui coule. Et cette chaleur-là et cette façon d'aller vers les gens. Je crois que c'est ça qui m'a fait aimer et qui a fait comprendre, qui a fait aussi que je sois adoptée par un certain électorat. C'est parce que je vais vraiment vers les gens. Je suis passionnée des gens. J'aime bien savoir comment vont les gens. Et je ne m'arrête jamais. Souvent, on voit des politiciens venir serrer 10 000 mains hein, comme ça. Et pendant qu'ils serrent une main, ils regardent déjà l'autre personne. Alors que moi, je m'arrête. Tiens, comment ça va? Et je retiens. Et si on me dit ça, si on me dit un truc, je m'arrête pour écouter, etc. Et j'ai vraiment été à l'écoute. Et je pense que je suis quelqu'un de vraiment de très ouverte, même mes collaborateurs, je leur ai déjà dit, bah oui, je suis peut-être la patronne et tout, mais chacun a un lien avec moi.
Vous avez un lien direct avec moi, il ne faut pas toujours passer par un tel pour arriver à moi. Vous avez un lien, donc nous vivons un peu comme une petite famille. Donc je reste vraiment très très connectée aux gens et je pense que c'est ça qui a fait qu'ils m'ont fait confiance, hein, parce que j'ai fait 150% de voix par rapport à ce que j'avais fait en 2012. Ça veut dire que quelque part, ils m'ont adoptée dans l'environnement politique et... Mais je sais pas, je sais, je me vends très très difficilement, je me vends mal, je sais pas me vendre, mais je sais par contre que les gens aiment bien parler avec moi, les gens aiment bien le fait que je sois disponible tout le temps, que je me connecte très facilement, donc moi je peux manger avec le roi, la reine, comme je peux aussi manger dans un McDo, comme je peux manger à la main, quelque part où on me donnerait pas de couvert. Et une assiette. Et est-ce que vous diriez que le forum Africa Belgium Business Week, c'est un peu ce qui vous permet de finalement conjuguer de manière palpable cet amour pour l'Afrique, pour voir une Afrique nouvelle, et puis cet amour que vous avez pour la Belgique? C'est vraiment les deux amours, quoi. L'amour pour l'Afrique et l'amour pour la Belgique. Parce qu'on voit bien ici qu'il y a des usines qui ferment, etc. Il y a beaucoup de choses qui vont un peu en périclitant. Mais par contre, l'Afrique est en train de rajeunir. L'Afrique rajeunit. Donc j'ai vu par exemple dernièrement, quand on parle de l'âge moyen d'un Africain au Congo, l'âge moyen c'est 23 ans, au Rwanda c'est 20 ans. Donc on a encore très très jeune, on est encore très jeune. Et d'ici 10 ans, donc 10 ans, 11 ans, l'Afrique, 40% des jeunes seront africains. Donc il faut vraiment songer à ça. Ça veut dire qu'il y a la main d'œuvre, ça veut dire qu'il y aura, s'ils sont bien formés et tout, l'intelligence, tout ça, les compétences, tout ça seront, 40% de tout ça se retrouvera en Afrique. Donc c'était vraiment pour faire, comme j'ai l'habitude de faire des plateformes, c'était vraiment pour faire justement cette jonction-là. Et avec Africa Rise, justement, c'est une ASBL de Charleroi, ils sont venus me trouver et j'ai dit, ben, chiche, on va le faire, parce que justement, en reliant les deux, hein, en osant l'Afrique et en osant l'Europe pour les autres, pour les uns pour les autres, justement, on réussit à créer cet équilibre. Il faut qu'on réussisse à créer un équilibre qui fasse que qu'on n'ait pas nos jeunes qui viennent mourir en mer ici, nos jeunes d'Afrique qui viennent mourir en mer ici, etc. Mais plutôt qu'il y ait vraiment une émulation pour pouvoir travailler ensemble, pour pouvoir fonctionner ensemble, surtout en respectant l'Africain, en partenaire. En partenaire, pas avec une main noire qui attend une main blanche qui pose quelque chose dedans, non. Il faut vraiment que ce soit des partenaires et il y a moyen. Et vous en êtes la marraine donc de... Je suis la marraine d'Africa Belgium Business Week. Et donc on va faire des émules. J'étais même très très heureuse ici, j'étais à Kinshasa il y a quelques jours, de croiser le président de la République centrafricaine qui nous a honorés ici au dernier Africa Belgium Business Week, qui m'a croisée là-bas. Et entendre un président me dire merci, je me suis rendu compte vraiment du travail qui a été fait pour la République centrafricaine, mais le travail qui doit être fait aussi pour l'Afrique. Parce qu'il m'a dit, voilà, en tout cas, on a eu beaucoup d'échanges, hein, si vous voulez savoir ce qui se passe, on a eu beaucoup d'échanges, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont venus, et des investisseurs qui ne viennent pas pour se remplir les poches, mais des investisseurs qui viennent vraiment pour, d'abord pour eux aussi, pour donner un autre élan à leurs entreprises, mais aussi pour ressortir un peu l'Afrique dans la crise dans laquelle elle se trouve. Donc il m'a dit merci, il était tout content. Je lui ai remercié, je lui ai dit, ben, moi c'est mon travail. Et ça fait vraiment... on doit avoir cet esprit panafricain. On doit avoir cet esprit. Moi, quand je suis en Afrique, je suis partout chez moi en fait. Je suis heureuse d'être... et je me suis rendu compte, j'ai été il y a un an et demi, j'étais au Maroc. Et je me suis rendu compte que même là, je me suis efforcée. J'ai fait une petite semaine seulement, je commençais même à comprendre ce qu'il disait. En partant de mon Swahili natal, maternel, je comprends, je parle Swahili. Et en comprenant, mais je parle les quatre langues du Congo, par contre, ouais, le Kikongo, le Tchiluba, le Lingala. J'adore mon pays. L'autre. Mais parce qu'on est toujours curieux et je suis sûre que nos téléspectateurs aussi sont curieux. Vous veniez de dire que vous étiez à Kinshasa il y a quelques jours. À l'occasion de quel événement est-ce qu'on peut... Oui, à l'occasion d'un événement finalement assez triste parce que ça a traîné en longueur, assez triste aussi parce qu'il y a eu quand même
mort d'homme, mais aussi assez étonnamment, assez grandiose, parce qu'on a eu à célébrer un homme d'État. Donc j'ai accompagné les funérailles de mon beau-père, hein, qui est le monsieur Étienne Tshisekedi, qui est le papa de mon mari. Et donc nous avons accompagné. Donc, après 2 ans et 4 mois ici de deuil, on n'a pas su l'enterrer à cause des accointances politiques, des problèmes politiques. Et c'est pour ça que je dis que cet élément-là est vraiment triste, parce qu'on ne devait pas arriver à ça. Surtout quand on sait que l'Africain respecte beaucoup, beaucoup les morts. On ne pouvait pas arriver à ce genre de situation, 2 ans dans le funérarium. Et donc c'était assez dur. Mais bon, alors l'accompagner en tant qu'homme d'État, et puis avec cette reconnaissance finalement de héros national, parce qu'il a été promu au rang d'héros national, bah, ça m'a fait vraiment un bien fou. J'étais en train de regarder mes enfants, hein, au stade, je les regardais, et j'entendais retentir en tout cas la dernière phrase de l'hymne national congolais, hein, donc qui pense que nous léguons à notre postérité. Je regardais les enfants, je dis waouh, je les ai mis au monde, moi, juste ça, mais là, ils ont un patronyme d'un héros national, ben voilà, je suis contente de leur avoir légué ça. Je suis contente de leur vraiment, allez, de leur avoir donné cet amour de leur pays d'origine. Il y en a pas mal. C'est des petits Bounti, nos enfants sont tous nés ici. Donc Bounti, blanc à l'extérieur, blanc à l'intérieur, noir à l'intérieur. Mais bon, mais vraiment, je leur ai appris à aimer aussi leur mère patrie. Et il n'y avait pas meilleure façon de leur présenter. Oui. Et qu'est-ce que ça change pour vous en tant que femme politique, finalement, mais de vous retrouver dans ce contexte-là? J'ai un peu tenté d'éluder la question, parce que je suppose que bah, ça, elle va venir de plus en plus. Finalement, je me suis dit pourquoi pas en parler. C'est aussi pour ça qu'on se retrouve. On veut découvrir votre parcours et puis se rapprocher de vous. C'est aussi peut-être un peu comprendre par quoi vous passez. Et donc en ce moment-ci, le fait d'être rattaché finalement à cette grande famille, est-ce que c'est occupé à changer les choses pour vous? Ça change? Ça doit forcément changer les choses. Déjà, avoir un beau-frère président de la République, ça doit changer beaucoup. Et surtout, ce qui nous change, c'est vraiment le fait de réaliser que nos papas se sont battus pour ce pays. Ce sont eux qui sont les vrais héros, c'est eux, c'est pas nous. C'est pas nous, et Félix le sait aussi, il dit aussi que c'est pas lui, c'est le travail, c'est le fruit du travail de ces gens-là. Donc nous sommes là pour ça. Donc, et là, en tant que femme politique, j'ai du mal. Hein. Donc ici, chaque fois que j'ai quelques jours, je vais vite aussi à Kinshasa. Je ne suis pas payée pour ça, mais j'y vais pour aider aussi. J'y vais pour pouvoir apporter quelque chose, parce que finalement, ce travail-là ne doit pas être galvaudé, le travail de nos pères. Il faut vraiment ne pas faire tomber les bras maintenant. Parce que maintenant, on se rend compte que pour l'Afrique, vraiment la visière sur le champ des possibles est vraiment très très claire. C'est maintenant qu'il faut vraiment penser. C'est maintenant qu'on peut poser les pieds. Et je vois même ailleurs en Afrique, les autres aussi commencent à penser à l'effet Tshisekedi, en se disant, ben voilà, on va aussi essayer. On va aussi, on a vu ça au Soudan, on va aussi essayer de faire bouger les choses. On a été brimé, nous, à l'UDPS, depuis 38 ans. Mais voilà, maintenant, on est là. Mais on n'est même pas là pour avec un esprit de macartisme, de revanche, etc. Non, on veut travailler avec tout le monde. Et ce qui m'a plu, c'est que Félix m'a dit, mais malgré tout ce que nous avons vécu, par exemple, il me dit, mais je me sens concerné par chacun des Congolais. Chacun, même celui qui ne m'aime pas, je me sens vraiment concerné. Et il faut vraiment qu'on travaille pour ça. Et bon, on a été drillés, nous. Ça fait 38 ans qu'on est drillés, qu'on le fait, qu'on accepte des privations, des sacrifices, etc. Parce que nos papas se battaient à des endroits. Donc voilà, on continue, on essaie de garder le flambeau, mais de manière propre, et surtout pour qu'on respecte maintenant le Congolais. Je me rends compte ici que quand je vais en Afrique, même ceux qui ne me connaissent pas sont contents du changement, de cet élan de changement qu'il y a en Afrique qui commence à s'ouvrir. Le champ des possibles, vraiment, vraiment, est clair pour l'Afrique.
Merci beaucoup d'avoir répondu en toute sincérité à cette question. Et puis, nous avons parlé du lien que vous aviez avec l'UDPS. Ça fait beaucoup, n'est-ce pas? Votre père, le père Tshisekedi, et tout ça en ce moment-ci. Est-ce que vous serez encore joignable? Est-ce qu'on pourra encore joindre Madame la députée? En tout cas, on doit dire qu'elle est joignable parce qu'elle est ici. Puis vous avez aussi, on a parlé donc de communication. Vous avez aussi mis à disposition, vous avez un site web par lequel vous désirez communiquer le plus possible avec le public. Et puis vos réseaux sociaux, j'invite vraiment les téléspectateurs à suivre parce que c'est assez sympa parce que vous livrez, vous partagez assez souvent. Et est-ce que nous désirons aussi savoir quand est-ce que des entrepreneurs, enfin peut-être qu'il y a des gens qui nous entendent là derrière, qui entendent tout ce que vous faites et qui se disent comment est-ce que je peux lui soumettre quelque chose, comment est-ce que je peux la joindre, que ce soit pour Africa Business Week ou que ce soit pour le BOE ici, peut-être que des gens voudraient entrer en contact avec vous. Est-ce que c'est possible? Avec un peu d'ingéniosité, tout le monde a mon numéro de GSM. Donc j'y réponds, malheureusement, je n'y réponds pas souvent. Mais je réponds, je suis la reine des SMS. Quand on m'envoie un SMS, je réponds toujours. Mais franchement, avec les élections, etc., ici, on demande aux hommes politiques, aux hommes et aux femmes politiques, d'être vraiment le plus accessible possible. Et moi, quand vous regardez bien mes actes de candidature, même sur les réseaux, vous avez mon numéro de GSM. Et c'est vrai que de temps en temps, je reçois des coups de fil, même la nuit, etc. Mais bon, quand je sais répondre, j'y réponds. Mais souvent, je suis vraiment Madame SMS, je réponds par SMS. Ma boîte vocale, il y a longtemps qu'elle est saturée, qu'elle n'en peut plus, la pauvre. Mais sinon, je réponds toujours. Sinon, je travaille beaucoup sur l'accessibilité. Et c'est vraiment pour expliquer aussi aux gens ce que je fais. Parce que c'est vrai que maintenant, j'ai une chargée de communication qui est hors norme. C'est elle vraiment qui a travaillé sur mon changement de profil, finalement, de communication. Je communique un peu plus et j'explique vraiment un peu plus aux gens ce que je fais. Et les gens me pardonnent un peu mieux maintenant, un peu plus de ne pas me voir souvent dans les fêtes. Je peux troquer mes hauts talons avec des bottes pour aller voir les agriculteurs, etc. Donc, voilà. Merci beaucoup. Nous arrivons presque à la fin de cette interview et nous allons pouvoir découvrir avec Madame la députée Kibasa Maliba peut-être les lieux. Mais en attendant, avant de terminer, on aimerait peut-être vous donner l'opportunité de vous adresser, de donner un dernier mot aux téléspectateurs qui nous regardent, peut-être par rapport à votre agenda ou à ce que vous désirez. Est-ce que vous avez un dernier petit message pour ceux qui nous regardent? Un dernier mot, c'est vraiment pour dire aux gens que je suis vraiment accessible, malgré mon emploi de temps. Et moi, ça me ferait plaisir. Aujourd'hui, c'est parce que je n'avais rien à faire, sinon je vous aurais amené, rencontrer, on aurait chaussé des bottes pour rencontrer les agriculteurs ou aller dans les écoles, ou donc dans ce que je fais. J'aurais vraiment aimé partager cela avec le plus de monde possible. Mais sinon, très sincèrement, je suis là pour ça. Je ne suis pas là uniquement pour ceux qui ont rougi la case Kibasa Maliba lors des élections, mais je suis vraiment là pour, d'abord pour commencer, pour les 400 000 habitants du Brabant wallon, pour les 12 millions d'habitants de la Belgique et finalement pour le monde, pour l'Afrique. L'Afrique pour laquelle nous devons vraiment nous battre. Nous devons nous battre pour expliquer aux gens que l'Afrique, c'est la mère patrie. C'était le berceau de l'humanité. C'est cyclique, hein? Le feu a commencé là-bas, mais ici, on a créé autre chose. Mais on va retourner vers l'Afrique avec les 40% des jeunes, donc 4 jeunes sur 10, qu'on aura d'ici 10 ans, qui viendront de là-bas. Nous devons les former, nous devons tous travailler ensemble, la main dans la main, mais nous devons tous travailler ensemble pour trouver les meilleures des solutions. Merci beaucoup. Et comme on vous le disait, on va pouvoir faire un petit tour avec Madame la députée pour voir les lieux, puisqu'on est ici, on a la chance d'être là. On remercie encore Madame la députée pour sa disponibilité. Et comme elle l'a dit, elle est disponible, nous l'avons contactée, elle était partante pour l'émission. Donc on la remercie, on remercie toute l'équipe, tous les gens qui rendent cette émission, qui nous permettent de la réaliser. Toute l'équipe, donc Média Plus, on remercie Maïcha Procure, on remercie tout le monde et puis vous aussi qui regardez. N'hésitez pas à partager pour que le plus de monde découvre le superbe travail que Madame la députée réalise ici au Brabant Wallon. Et puis sinon, d'ici là,
Portez-vous bien, on se dit à très vite. J'allais aussi vous remercier hein, d'être venu parce que j'ai vu que c'est vrai que depuis que vous m'avez interviewé, il y a beaucoup, il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues vers moi, beaucoup d'interactions, ça m'a énormément fait plaisir. Je loue aussi votre travail finalement, merci. Votre travail très très professionnel. Merci beaucoup et ça me fait énormément plaisir. La maman que je suis, quand je vois des jeunes s'avancer comme ça et faire des choses, me rend vraiment vraiment heureuse. En tout cas, natondi bino botondi, toi ça qui dit là, bet pepe sambe matondo, matondo mingi, mina mipiki aksanti, banduku yangu. Vraiment, je vous dis un tout grand merci. Et sachez que moi, votre sœur, je suis. J'existe parce que j'ai eu une histoire avec ce pays-là, parce que j'ai eu un écolage avec vous, avec cette culture, que je suis ici, aussi en train, avec cette petite carte SIM que je suis, de faire entrer cette culture ici pour en faire justement ce que vous avez devant vous. Une maman député, mais à 10 000 km de son berceau natal. Et surtout engagé. Engagé. Merci beaucoup.